Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai pas l'habitude de vous faire. Ça va être mi-unboxing, mi-haul. Je vais vous montrer du coup mes derniers achats. Et j'ai reçu quelques petits colis de Disney que je vais ouvrir. Et je vais commencer tout de suite avec l'énorme colis qui se trouve à côté de moi, puisqu'en fait, bah, tout son contenu c'est pour vous. Donc comme je vous le disais, cet énorme colis il est intégralement pour vous. Je vais rien pouvoir garder pour moi et pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais Disney a décidé de vous gâter, donc on va découvrir ça ensemble. Du coup, dans cet énorme colis, on a tout d'abord la première chose que j'attrape. C'est cet énorme sac à dos Alice au Pays des Merveilles qui est absolument magnifique. Il est tout coloré avec le rose. Je trouve que le design est hyper stylé. Enfin, j'adore, je le trouve vraiment trop joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire gagner 3 sur YouTube. Et celui-là, il sera sur Instagram. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram si jamais vous voulez participer et tenter de le remporter. Et pour ça, il faut me suivre la Pixie Army. Donc la deuxième chose que j'attrape, c'est un truc que je veux depuis super longtemps en plus, c'est ceci. Donc ceci c'est un kit Toy Story que je trouve absolument génial. Je le voulais d'ailleurs dans mon bureau parce que comme vous pouvez le voir, j'ai tout un thème Pixar dans mon bureau et je l'adore. C'est un cahier 21x29,7. Il est trop joli, j'aime trop. Vous avez tout un tas de jolis détails à l'intérieur. Franchement je le trouve trop beau. Ça donnerait limite envie de retourner à l'école je trouve. Juste là, vous avez un petit marque-page. Il est vraiment trop beau. Ah, ça y est, j'ai attrapé le petit dernier. C'est juste ici. Oh, il est magnifique. Donc ça, c'est la collection Disneyland Paris avec la fée Clochette. Vous savez à quel point j'aime fée Clochette. Et j'adore cette collection, je la trouve vraiment très belle. Donc c'est une trousse qui peut à la fois servir pour bah, l'école, mais également pour le maquillage, etc. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite en termes de dimension. Et c'est une Disneyland Paris collection. Je vais continuer en vous montrant d'autres achats que j'ai pu faire ces derniers jours. J'ai pas trop reçu de choses, ça va, j'ai été assez raisonnable. Il n'y a pas assez pour vous faire un immense haul, mais il y a quand même quelques petites choses. Donc la première chose, c'est ceci, donc j'ai trouvé dans un magasin de jouets. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le seau des soldats de Toy Story. C'est un seau que je voulais pas spécialement de base, mais c'est la Toy Story Signature Collection. Je l'ai eu à 19,99€, donc ça reste quand même pas trop cher. Donc vous avez le certificat d'authenticité qui est juste ici avec les petits soldats à l'intérieur. Et en fait, je me suis dit que j'allais les utiliser pour faire quelques petits éléments de décoration dans mon bureau. De la part d'Insiders, j'ai reçu le livre Phantom Manor. Donc je ne l'ai pas encore lu, je l'ai quand même feuilleté. Hein. J'ai pas résisté à l'envie de regarder un petit peu ce qui s'y cache. La couverture est vraiment trop belle. J'ai l'impression aussi qu'il est un peu plus grand que le précédent, celui de Pirates des Caraïbes. Donc rendez-vous dans l'un des prochains Disney Books. Je vais essayer de voir pour vous avoir un exemplaire afin que vous puissiez également le lire et me donner votre avis. Mais de ce que j'en sais, il a été sold out en 24-48 heures. C'est pas une édition limitée comme le Pirate des Caraïbes. Vous pourrez également le retrouver sur Shop Disney et en boutique. Mais il me semble que le réassort est au mois de septembre. Donc il va falloir avoir un petit peu de patience. En parlant bouquin, j'ai également eu deux réceptions. Donc celui-ci que j'ai reçu hier. Donc pour ceux qui suivent un petit peu mes Disney Books, vous reconnaîtrez peut-être, c'est la série de romans dérivés de l'attraction Haunted Mansion de Disneyland Californie. Donc c'était le tome ultime que j'avais beaucoup trop hâte de lire, je le trouve magnifique. Et je l'ai dévoré en même pas 24 heures, donc je vous donnerai mon avis dans le prochain Disney Book. J'ai également reçu ce livre-ci, donc Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un chef-d'œuvre qui vient des éditions Huggin et Muggin. C'est une édition qui est limitée dans le temps, donc du coup je me suis ruée dessus à sa sortie. Je vous ai d'ailleurs prévenu sur les différents réseaux sociaux, il me semble Instagram et Twitter. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas déjà fait. Et comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister parce que j'ai pas encore pris le temps de le lire. Côté réception, j'ai également eu ceci de ma copine Mrs. Renard qui me l'a offert la dernière fois qu'on s'est vu. Donc on a sa collection Cheval Carousel avec le cheval de Mulan et juste à droite le petit badge de Coco. Vous vous doutez que je ne pouvais que fondre devant ce badge. J'ai également eu quelques réceptions de la boutique Roses and Thorn Ears. C'est super difficile à dire, mais je vous l'avais déjà présenté dans un précédent haul puisque j'avais acheté un béret chez elle. Elles m'ont envoyé du coup 3 de leurs nouveautés sur lesquelles j'ai complètement flashé. Donc tout d'abord le canotier. Si vous me suivez encore une fois sur les réseaux sociaux, vous l'avez forcément vu parce que je le porte partout. La qualité est magnifique. Par contre j'ai une grosse tête, donc moi j'arrive pas à l'enfoncer jusqu'au bout de mon crâne, mais c'est un détail. Il y a également ce petit nœud dans les cheveux. Donc voilà comment il se présente.
elles en ont de toutes les couleurs et surtout ce que j'aime c'est le détail des perles, j'en suis complètement dingue. En grande adepte de headband, de choses comme ça, elles m'ont envoyé ça. Le niveau de détail qu'il y a sur ce headband est juste trop joli. Ça fait très Blair Waldorf dans le style, j'adore. Ils en ont sorti dans plusieurs collections aussi, il me semble qu'il y a aussi la Reine des Neiges et la Belle au Bois Dormant. Et je suis à deux doigts de craquer ça avec un petit chemisier col lavalière. Donc deux autres petites réceptions. Alors là-haut on le voit pas, mais il y a Zurg, mais vous l'avez vu dans mon room tour. Quand je suis partie au Disney Store des Champs-Élysées, j'ai également acheté ça, donc c'est Teen Toy. Teen Toy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des premiers courts-métrages animés de Pixar. Et il fait un petit caméo dans Toy Story 4, donc j'étais trop contente d'avoir la figurine. Il me semble qu'elle m'a coûté à peu près 18 euros. À Disneyland Paris, sous la boutique du château, j'ai également trouvé cet ornement. Alors en fait, quand vous voyez les étiquettes comme ça, c'est que c'est un ornement de la collection Shop Disney. Donc ça coûte normalement à peu près 18 euros. Et là, je l'ai eu à 9,99 hors réduction. Honnêtement, 10 euros pour ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Enfin, les ornements de Shop Disney, ils sont magnifiques. Moi, je les utilise toute l'année chez moi. Donc la particularité, c'est qu'il a deux faces. Celle où il est content et celle où il est pas content. Et je pense le mettre du coup sur la porte de mon bureau. À l'entrée, je trouve que ça fait un petit détail sympathique. Bon, et enfin, on termine avec les boîtes Le Roi Lion. Je vous avoue que j'appréhende un peu. C'est des boîtes qui m'ont été envoyées par Disney France. Je les trouve très belles. Mais comment dire, disons qu'il y a d'autres personnes qui l'ont reçu et que je sais un peu ce qu'il y a à l'intérieur et j'appréhende. Donc tout d'abord, on a ce coffret-ci qui est absolument magnifique. Et... Vous savez à quoi ça va servir, hein. Vous savez à quel point j'ai hâte. Votre chat pense que toute cette immensité baignée de lumière est son royaume. Oui, effectivement. Alors faites-lui plaisir et transformez-le en reine ou roi des animaux avec cette formidable crinière du Roi Lion. Partagez sa plus belle photo avec le hashtag Le Roi Lion. Bah, vous n'allez pas être déçus, hein, parce que Clochette, elle va ressembler à peu près à ça. En plus, c'est drôle parce que comme elle est toute marron foncé, elle fait un peu Scar. Oh, mon bébé. Oh, le bébé chien. Alors, comment est-ce qu'on va te mettre ça? Bonjour. Bonjour la petite Army, déjà. C'est l'heure de l'humiliation. Comment est-ce qu'on... Alors, il y a un petit scratch. T'es prête ou pas? Nyo-nyo. Commence pas à pousser sur les pattes. Elle voit rien. Oh bébé. Oh attends, c'est compliqué à lui mettre, hein. Attends. Mon cœur. Tu m'aides? Mais oui, je sais, c'est la crinière du roi lion. C'est la crinière du roi char. Attends. Est-ce que tu dois avoir les oreilles dedans ou dehors? Mais dedans, évidemment. Oui, mais ça va lui plier une oreille, le pauvre. Oui, bah je sais, le. Dis donc, vous avez pas prévu pour les chats obèses un scratch plus grand, hein? Vas-y, go. Oh, du coup. Quelle humiliation! Oh, ça pue! Oh. Oh, ça pue! Oh, j'ai... Oh. Oh! Non, mais je vais pas manger ça en fait! Oh, c'est des fourmis! Non, non, c'est mort, je touche pas à cette chose! Hein. Attends, je vais regarder ce qu'il y a d'abord dans le reste du colis avant de m'épargner ça. Alors, il y a un paquet de mouchoirs. Peut-être qu'ils avaient prévu que je sorte toutes mes larmes pendant ça et ils auraient bien raison. Il y a le bracelet du Roi Lion. Donc, moi, je l'ai juste ici. Et en fait, donc il y a ce petit bracelet qui est vendu par la Walt Disney Company. Il coûte à peu près 5 euros. Et en fait, quand vous l'achetez, vous avez 1 euro qui sont versés pour les lions. Donc, pour la protection des lions, voilà exactement. Et on nous avait montré tout un petit documentaire qui avait été fait. En fait, ça a été réalisé en France par des personnes handicapées, voilà, en réinsertion. Et je trouve que c'est vraiment un très joli geste. Moi, vous voyez, je le porte depuis à peu près un mois. J'aime bien en jaune, il est joli aussi, mais je vais vous le faire gagner du coup. Et enfin, il y a deux petites étoiles. Oh, trop belle! Est-ce que c'est pour l'amour brise sous les étoiles? Et on a une petite carte avec le bracelet, le roi lion, le petit paquet de mouchoirs pour essuyer vos petites larmes. De joie ou de tristesse, bah, je vous dis, avec la sucette, je suis pas sûre que ce soit de joie. La sucette insecte. Petite friandise de Timon et Pumba, on aurait pu s'en passer. Et donc les étoiles, de l'amour brille sous les étoiles, vos deux étoiles phosphorescentes vont briller dans le noir et vous plonger dans une ambiance romantique. Alors, romantique, je ne sais pas, mais comique, ça oui. Ah, c'est la sucette. Oh, on dirait que c'est au café.
C'est peut-être au café, hein. Peut-être que la sucette est au café. Attends, tes vaccins sont à jour. Clochette ? Est-ce que tu sens mon cœur ? Donc après lui avoir mis la casquette de la honte... Elle mange vraiment à tous les râteliers, c'est pas possible. C'est pour moi. Regarde là. T'as vu, là, les yeux hypnotisés. Je sais que vous attendez tout ça depuis que vous avez découvert le contenu, mais... Moi, j'ai pas... Est-ce que tu peux la montrer de près pour qu'ils voient un peu? Parce que encore à l'avant, c'est présenté, mais ça n'a rien que c'est moi. Je vais enregistrer le numéro du Samu en raccourci sur mon télé. Il va falloir. Hein. Tu la vois? Parfaitement bien. Donc ça, c'est l'avant. Non, c'est dingue. Je pensais que j'allais gruger, parce que t'as l'impression par ici qu'il y a des endroits où il n'y a pas de fourmis, mais il y en a tout autour. Imagine, genre après j'en ai une dans la bouche. Enfin... Tu vas avoir des fourmis dans la bouche. Ah, mais je pense qu'elles sont mortes, hein. Mais en plus t'imagines, ça veut dire qu'il est... Est-ce qu'on peut se dépêcher? Mais ça me dégoûte. Dark. Mais ça me dégoûte. C'est bon. Bah là, ça sent pas encore le... Attends, je vais déchirer. Ah oui, il faut y aller jusqu'au bout, croque. C'est un peu... Ça pique un peu, c'est... Ah, j'ai peur. J'ai trop peur. Je vais pas la manger en entier, hein, c'est mort. Ah, c'est trop dégueu. J'essaie de pas y penser, mais j'ai peur de quand c'est la première fois... Franchement, arrête-toi là. À un moment donné, c'est bon. Oh. Après, tu vas avoir des poils qui poussent sur la langue, tout ça. Des fourmis, tu veux dire? Non. Des fourmis dans le ventre, comme ça. Les gens, ils ont des papillons dans le ventre, et moi, j'aurais des fourmis. Mmh. J'ai un arrière-goût, là. J'ai l'impression d'avoir une fourmi qui est remontée. Tu sais, c'est... Oh. Ça se trouve, c'est des œufs de fourmis, ils sont en train d'éclore. Ah, arrête, Berk. En fait, je pense que c'est psychologique. Mais du coup, le fait de savoir qu'il y a des fourmis dedans, ça me dégoûte. Mais ouais, il y a quand même un sacré goût. Donc peut-être que c'est du sang de fourmis, tu vois. Ils ont fait comme ça avec les fourmis, ils se sont dit, ah bah tiens, on va faire une petite sucette pour Pixie. Bon bah voilà ma Pixie Army pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel était votre moment préféré. J'avoue que moi j'ai beaucoup aimé voir Clochette avec sa petite cagoule, j'ai beaucoup moins aimé toucher à la sucette, voilà. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous avez déjà goûté des insectes, ce que vous en pensez. Parce que moi je suis convaincue que c'est le facteur psychologique qui me bloque, mais là je peux pas toucher à ça, quoi, c'est mort. Enfin bon, sur ce, ma Pixie Army vous fait plein d'énormes bisous, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous. Et alors en post-scène générique, comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de bugs dans cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit florilège des moments un peu drôles de cette vidéo. Les moments où j'ai bugué, les moments où on entend Pixie Husband à l'intérieur. Les moments où on entend Pixie Husband à l'arrière, puisqu'il était à l'arrière de cette caméra pendant que je filmais. Bref, bon visionnage. Je vais prendre ça sur les cheveux. Y a pas mon adresse là? Non. Ok. Il y a juste écrit désabonnez-vous. Cette fois-ci, on a une nouvelle nouveauté, c'est le cas de le dire, sur le thème du royaume. Le livre, n'importe quoi. Donc, cette nouveauté-ci sur le royaume. J'adore l'auteur, bref. Donc, je vais continuer par. Non. Voilà comment ça se présente. Pardon. Et ça fait très Blair World. Ça fait très Blair Waldorf. Ça fait très blou. Elle est désorientée, la pauvre. C'est pas bien. Vous avez vu ce que vous faites faire à Clochette le bébé chat? Viens. Montre le bébé dormi. Attends, je fais un zoom.